Bonjour, alors moi c'est Isabelle de Isa Pattern. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment prendre vos mesures pour adapter le patron et pour adapter les patrons en règle générale. Donc on va commencer en fait, comme vous voyez, j'ai mis un petit collier, c'est ce que je vous recommande dans la fiche mémo, un petit collier sur mon buste et j'ai également mis un ruban au niveau de la taille. Je vous conseille donc de prendre un ruban et de l'attacher au niveau de votre taille afin qu'elle se place, enfin que ce ruban se place seul sur la taille. Ça va se poser naturellement. Un collier, parce que un collier en fait vous permettra d'avoir les côtés, le vrai tombé du cou et donc quand on va prendre la distance, la longueur d'épaule en fait. On va le prendre à la base du cou et grâce au collier, ça va déterminer exactement l'endroit du placement de la base de cou. Voilà. Et pareil, vous pouvez mettre au niveau du bas de votre fessier, excusez-moi, un élément vous permettant aussi de déterminer exactement la hauteur de vos hanches en fait à l'endroit le plus fort. Donc on va commencer par mesurer la longueur d'épaule, donc qui se situe de la base du cou jusqu'au bout. Vous avez un creux en fait quand vous pliez ou levez votre bras. Donc on va mesurer cette partie-ci. Donc on part de la base et on va jusqu'à l'endroit indiqué. Donc comme ça vous avez, excusez-moi pour le bruit, vous avez la longueur d'épaule. Ensuite, on va mesurer donc le tour de poitrine. Le tour de poitrine se mesure donc à l'endroit le plus fort de la poitrine en passant par les pointes de sein. Voilà. Et sans serrer, il faut quand même poser un doigt pour dire de pouvoir avoir la longueur exacte sans être trop serré. Et pareil, parallèle au sol. Il faut que vous soyez bien droite quand vous prenez vos mesures. Ensuite, on va prendre donc le tour de taille. Pareil. Donc là, on a l'indication grâce au petit ruban. On prend et on note, hein, vous avez une petite fiche mémo pour vous permettre de prendre et de noter vos mesures. Donc vous pourrez la garder et même la reproduire après si vous changez de taille. Donc on la prend à l'endroit le plus creux, toujours bien parallèle. Et enfin, le tour de hanche qui est à l'endroit le plus large de votre fessier et on prend la mesure toujours de façon parallèle. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez ça ici, à cet endroit-là, vous avez un petit creux. De ce petit creux, vous allez pouvoir mesurer la hauteur de votre buste, donc devant et dos. Donc sur le devant, on part du petit creux et on descend jusqu'à la taille en passant entre les seins. Comme ça, on a la hauteur du buste devant et on fait la même chose donc dans le dos et du coup ici au niveau de la septième, on dit de la septième cervicale. Voilà, toujours bien perpendiculaire et vraiment bien au milieu. Et pareil pour le bas, on va mesurer la hauteur taille hanche qui vous permet aussi de déterminer en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir augmenter et diminuer votre buste par rapport à votre stature. Les patrons, que vous fassiez 1m60, 1m70, 1m80, sur le patron, lorsqu'on vous donne une stature, la stature est définie par des variables générales qui donnent des hauteurs de buste pour cette stature. Donc en fonction de la vôtre, vous allez avec ces deux mesures déjà pouvoir adapter correctement à votre stature. C'est un point important à savoir. Donc on mesure
le devant et on fait pareil dans le dos. On part de la septième cervicale et on mesure jusqu'à la taille pour avoir la hauteur de buste dos qui est légèrement différente que le devant. Ensuite, vous allez mesurer votre bras. Quand on mesure son bras, on le met légèrement plié parce que quand on va plier le bras, les manches vont remonter. Donc, on ne prend pas sa manche toute droite parce que sinon, on va avoir une valeur. Et puis, quand on va, hop, vous voyez, la manche remonte et du coup, on n'est pas, on a une manche qui va être trop courte. Donc, je regarde ma petite fiche hein, parce que j'ai peut-être oublié de vous dire quelque chose. Oui, la carrure. Alors, la carrure dos et devant, pareil, faites-vous aider. C'est toujours plus pratique de faire prendre ces mesures par quelqu'un que de les prendre soi-même. La carrure, en fait, elle se calcule ici au niveau en dessous des aisselles. D'une aisselle à l'autre, sur le devant, ici, vous avez... Alors, que je fais pas de bêtises, j'ai fait des... Voilà, de là à là, vous avez votre carrure devant. Donc, si vous vous faites aider par quelqu'un, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une règle sous chaque bras et prendre la mesure entre les deux parties. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un pour se mesurer, puisque du coup, on est moins à essayer de tournicoter et de pas avoir les bonnes mesures. Donc, pour le devant et pour le dos, on mesure la carrure. Voilà. Donc je pense que on a fait le tour. Il manque le tour de bras. Le tour de bras, c'est pareil, ça se fait à l'endroit le plus fort. Et cette mesure va vous permettre d'adapter les manches. Si vous avez un bras plus fort, on peut élargir la manche et je vous expliquerai comment le faire pour pouvoir adapter du coup la manche à votre type de bras. Je pense que l'ensemble des mesures a été prise. Vous avez la fiche mémo pour pouvoir vous y repérer et vous y retrouver. Vous avez aussi un encadrement où vous pouvez mettre vos propres mesures. Et ensuite, dans la prochaine étape, eh bien, on va passer au choix de taille. Parce que dans un tableau de taille, on rentre pas forcément dans une seule grille. Je suis dans un 38, je suis dans un 40. Et on va voir ça. Voilà. Du coup, je vous dis à bientôt pour la suite.